Salut tout le monde, c'est le soir et c'est l'heure de vous faire un tag, le TMI tag, que j'ai vu passer, repasser récemment sur la chaîne d'Esther qu'il a fait avec Julie de Kinoko. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire ce tag, ça sera rigolo. Alors commençons tout de suite. Et bien pour vous faire toute la liste de ce que je porte sur moi, je porte une culotte, une robe de chez Ecos que j'aime beaucoup, et puis parce qu'il fait froid, je porte un gilet en laine, Another Stories, que j'adore, que j'ai acheté récemment, et puis des chaussons, haha. Oui. Oui. 1m68. C'est un petit peu indiscret, mais je vais répondre quand même. Ma balance est en panne de pile depuis plusieurs mois, donc je sais pas exactement, mais je pense que je dois être à peu près à 52-53 en ce moment. Oui, j'en ai un dans la nuque qui est en cours de détatouage parce que j'ai envie de m'en débarrasser. Et c'est le seul que j'ai. Juste aux oreilles. Alors c'est peut-être idiot de dire ça, mais pour moi le couple qui m'inspire, c'est un couple de vrais gens en fait. C'est Esté de la chaîne Essie Button et son mec qui s'appelle Aslan. Et je sais pas, je les trouve trop mignons ensemble, je trouve qu'ils sont trop cool tous les deux et ils ont une chaîne de vlog ensemble et je regarde leurs vlogs régulièrement et je sais pas, voilà. Je trouve que c'est un couple vraiment mignon et voilà. Girls! Ça, c'est pas facile de répondre. Hein. Si je fais la somme de toutes les chansons que j'aime bien et tout, j'aurais envie de dire les Beatles, c'est pas très original, mais ça doit certainement être ce qu'il y a de plus honnête à dire. Mon beau-père, il est mort il y a 13 ans, et ouais, il me manque. Dans l'absolu, c'est presque impossible de répondre. En ce moment, la chanson que j'aime le plus et que j'écoute le plus, c'est un remix de Run de Daughter. Et ça fait comme ça. Si vous me connaissez un peu, vous saurez que j'aime pas du tout qu'on me demande mon signe du zodiaque. Je n'y crois pas du tout. Mais pour répondre à la question, je suis Verseau. Ça, c'est une question très ouverte. Y a plein de qualités qui sont importantes. L'humour, ça serait une des premières. Les gens qui ont pas d'humour, c'est pas possible. Donc, pour un mec, mais pas seulement pour un mec. Je sais pas, l'honnêteté... La gentillesse, l'énergie aussi. Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. C'est Pierre Desproges et ça me fait beaucoup rire. Alors c'est pas un acteur, c'est une actrice, c'est Kate Winslet. J'adore cette actrice, je l'ai adorée dans tous les rôles dans lesquels j'ai eu. Je trouve qu'elle est convaincante tout le temps. Je l'adore, je l'aime. Kate, si tu me regardes. J'ai pas de couleur favorite. Non, je sais pas. Je décline les bleus. Je sais pas. Ça dépend. En général, plutôt pas trop fort, parce que j'ai toujours peur de déranger les autres. Mais de temps en temps, j'ai envie d'écouter de la musique bien forte. Ça dépend ce que j'écoute aussi. Dans ma forteresse de solitude. En général, dans mon canapé ou dans mon lit. 10 minutes maximum. Entre 20 minutes et 2h30. Je me suis déjà pris des coups et j'ai déjà donné des coups, mais c'était pas en même temps. Donc on pourrait pas vraiment appeler ça une bagarre. Parce qu'il n'y a pas eu des coups qui se sont rendus. Mais j'ai déjà tapé dans le tas, ouais. Un sourcil qui se lève. C'est vrai en plus. Les dents sales. Pourquoi pas? Beaucoup, beaucoup. J'ai même fait une vidéo spécialement à ce sujet sur ma chaîne Random. Je vais vous la mettre ici si ça vous intéresse. Plein de choses qui me font peur. Mais la chose qui me fait le plus peur, c'est le vomi. C'est une phobie en fait. C'est quand j'ai raté mon avion pour New York. J'ai eu un tel moment de stress et de culpabilité. Je me sentais tellement mal que je me suis mise à pleurer. Après, j'ai pu prendre un avion le lendemain, mais ouais, c'est certainement la dernière chose qui m'a fait pleurer. Il y a quelques jours, je pense.
pense que ça s'explique tout seul. C'est futile, mais j'espère que ça peut être utile aussi. Le ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras. Et je peux pas vous le montrer parce que je l'ai rendu à ma belle-mère. C'était bizarre, mais sympa. Ça, et je le lis en anglais. C'est bien, j'adore Paul Auster. C'est un de mes auteurs favoris, vraiment. D'ailleurs, il faudrait que je me remette à lire ce truc-là. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas lu. Bonne idée. Encore une fois, girls, j'ai converti mon copain. L'ouvrier qui fait les travaux dans ma cage d'escalier que j'ai croisé tout à l'heure. Bah, c'est mon copain, justement. Original, hein. Les olives. J'adore les olives. Bah, je vous parlais tout à l'heure de la chaîne de vlog de Essie Button et son mec. Et en ce moment, ils font un road trip dans les pays scandinaves, genre Finlande, Norvège, Suède et tout ça. Et ça m'a donné super, super envie. J'avoue que j'aimerais beaucoup aller voir ce qui se passe là-bas. Dernier endroit qui ne soit pas Paris, ben New York. Oui. Un espagnol. Oui, mignon. C'est aussi mon mec d'ailleurs. Eh ben c'est lui. La dernière insulte que j'ai reçue, c'était probablement de moi-même. J'ai dû dire, mais quelle conne. Je dis tout le temps ça dès que je fais une boulette. Donc j'ai dû probablement dire ça dans les 48 dernières heures. Je suis pas très bonbon, hein. Mais si jamais j'en mange, je prends celle saveur coca. Quitte à manger un truc hyper chimique, autant aller jusqu'au bout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre les petites bouteilles de coca ou les langues de chat saveur coca. Ah, et rien qu'à l'idée, ça me fait sursaliver là, parce que c'est trop acide. Du piano, de la guitare, et je gratouille un tout petit peu sur mon ukulélé. Cette bague que ma mère m'a offerte il y a 10 ans pour mon anniversaire. Elle est super belle. Le sport de chambre. Bah du coup c'était run. Non. J'ai été voir une expo de Oscar Muñoz au jeu de paume. Avec mon pote Johansson. C'était vachement bien d'ailleurs. Personne et tout le monde. Ce tag a déjà beaucoup tourné, faites-le si vous en avez envie. Ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Voilà. Et voilà, le tag est terminé. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut! Elle m'a dit dégage, prends pas ta casse, mais tu m'as prise pour...